Bonjour, bonjour. Aujourd'hui, je vous fais un tuto sur la boîte à beauté. Ma boîte à beauté du mois d'octobre. Je l'avais déjà fait cette vidéo, mais comme j'étais en train d'en faire une qui était beaucoup plus compliquée pour aujourd'hui.com, punaise, j'ai dû l'acheter. Donc, c'est de ma faute, ma très grande faute. Donc, c'est pourquoi je prie ma boîte à beauté d'excuser mon retard et je vous fais en vitesse une petite vidéo sur ma boîte à beauté que j'ai beaucoup, beaucoup appréciée. Pourquoi? Parce que je reçois des produits que je découvre en modèle de vente pour au moins 3 sur les 5. Et c'est bien, très très bien. Je suis ravie. Donc voilà pour la boîte à beauté du mois d'octobre ce que j'ai reçu. J'ai pas ma petite pochette Anis de la boîte à beauté qui est sans fleuriture, mais j'aime parce que ça, moi, ça va en général à la poubelle. Et dans les autres boîtes à beauté, souvent j'avais des gadgets, des trucs dont je me servais jamais, ou une boîte un peu luxueuse, patati patata. Mais attendez, une boîte, c'est une boîte, hein. Donc voilà. Donc pas de commentaires là-dessus, c'est une perte de temps. Donc je vous dis tout de suite ce que j'ai reçu et ce que j'ai pensé des produits. Donc le petit menu me disait, vous avez reçu dans votre boîte à beauté Saint-Gervais Mont Blanc. L'eau pure du Mont Blanc dans une petite boîte de 75 millilitres qui n'est pas bio, mais qui est le plus naturel possible. Et c'est vrai, parce que la composition l'est complètement. Donc c'est une eau micellaire. Moi, j'aime beaucoup les eaux micellaires. Et les Saint-Gervais Mont Blanc, je connais cette marque qui est excellente. Et je suis ravie de pouvoir l'essayer. Pendant, on va dire, un bon mois, hein, vous voyez? C'est un modèle très, très agréable. Elle sent le frais. Et elle est vraiment très, très agréable. Elle démaquille le visage et les yeux. Et moi, je l'aime beaucoup, 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 beaucoup. Donc, voilà, cette eau micellaire que je vous recommande parce que je la trouve vraiment très bien. C'est une découverte pour moi. Une découverte qui sera certainement suivie d'un achat. Deuxième produit, j'ai reçu une baume tempête. Waouh, la baume tempête. Alors ça, c'est Nivi Skin. Alors c'est pas très loin de chez moi. Ce sont des produits de Wesson qui sont à base d'algues. Effectivement, je vois tout ça dans la composition. Il y a pas mal d'algues. C'est un produit qui est sans parabènes et sans parfum, qui apaise, hydrate, régénère la peau. Et concentré en actifs d'algues, justement, sauvages, de l'île d'Ouessant, qui est pour tout type de peau, pour le visage et le corps, convient aux adultes et enfants à partir de 36 mois. Donc, c'est un soin pour les peaux fragilisées, pour une peau qui supporte pas peut-être les intempéries, ou pour des lèvres gercées, ou pour quand on est enrhumé, pour quand on rougit un petit peu, pour un coude abîmé, pour un endroit irrité. Voilà, moi je comprends que c'est pour ça. Je ne l'ai pas encore essayé. Il y a 0,9% d'algues dans cette crème, donc le concentré est assez important. Elle fait 30 millilitres, donc ce n'est pas forcément une crème de vente. Hein. Mais dans le prix, parce que j'ai tout calculé le prix, j'ai calculé aussi, celui de vente doit faire 50 millilitres, donc j'ai calculé effectivement le prix de revient de cette crème si je l'achetais. Donc voilà, le baume tempête. Deuxième produit intéressant de cette boîte à beauté. Troisième produit, Bimakay, le baume miracle. Donc c'est un baume. C'est un modèle de vente. Hein. Les baumes, ce n'est pas des crèmes. On en met très très peu. Alors quand je l'ai ouvert, déjà ça réveille. Hein. Oh là, je veux dire, hein. Voilà, franchement, c'est. Et vous voyez comment je l'ai déjà beaucoup utilisé. Moi, comme j'ai eu l'épaule, enfin toute cette partie-là de casser et de recasser en clinique pour pouvoir me le réparer tellement ça avait été mal plâtré, j'ai quelquefois au changement de saison et de climat mal à mon épaule. Donc oui, je me suis massée avec ce baume-là pendant toute la semaine et je peux vous certifier que ça m'a fait énormément de bien. Mon mari, en rentrant de bateau, bah, de l'arthrose, je pense, un genou, les plaisirs de l'âge. Donc, il s'est massé depuis 2 ou 3 soirs avec ce baume. Et il me dit que ça lui fait du bien, il me le réclame régulièrement. Hein. Donc, non, très très bonne découverte. Un bon produit, je connaissais pas et j'aime beaucoup.
On m'avait déjà envoyé dans la boîte à beauté d'il y a 2 mois un bimètre K qui était un produit pour masser et que j'aime beaucoup, que je pour les jambes lourdes, j'adore. Donc là, deuxième découverte vraiment bien en bimètre K, hein. Super, j'aime beaucoup, j'aime beaucoup. Quatrième produit, Apple 3A. Alors là, je vais pas vous la montrer parce que mon mari l'a embarqué avec lui. C'est une crème qui est une crème anti-âge. Qui se présente en modèle de vente, hein. Elle est à base de pommes. Alors la pomme, c'est comme le raisin, il y a beaucoup de principes anti-âge, et ça fait la richesse de cette crème-là, qui est à base de pommes. Donc elle se présente en modèle de vente, hein, c'est un grand modèle, avec un bec verseur, on n'a plus de sucre, c'est une pompe verseuse. Donc c'est pour ça que je l'ai donné à mon mari, pour qu'il ne mette pas ses mains dedans, mais qu'il la mette en protection quand même, puisqu'il allait faire du bateau pendant une semaine. Pour après, au soleil, il en met une autre, s'il la met. Mais là, c'était pour le soir et le matin quand il se réveille. Il l'a trouvée très, 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 très bien. Son nez, qui a tendance à pelucher, me dit, n'a pas du tout peluché. Et il est très content de cette crème. Je ne peux pas la reprendre. Alors, je pense que je l'essaierai quand même ce soir, s'il veut bien me la laisser. Mais en tout cas, je peux vous dire que l'avis que j'ai, c'est plus, plus, plus positif. Donc, c'est un modèle de vente. Elle est très, très légère au niveau, elle pénètre très vite. Elle laisse pas de gras sur le visage. Il me dit qu'elle est très très agréable à appliquer et qu'elle n'est pas parfumée. Donc moi au niveau posologie, j'ai vu qu'elle avait des principes actifs très très importants et des produits, non pas une crème bio non plus, mais une crème naturelle, intelligente parce qu'elle est naturelle, même si elle n'est pas bio. On n'a pas non plus, on va pas donner des crèmes pour tout le monde dans le monde si on ne prend que du bio. Donc voilà, puis le bio peut être aussi intolérant aussi parce qu'il y a trop de. Enfin, on fera tout un papier là-dessus. Je ne vais pas me. J'ai reçu aussi un rouge à lèvres, un rouge à lèvres Béranger. Moi, je ne connaissais pas la marque Béranger. Alors, c'est un modèle de vente. C'est un coloris rose. Ça, je mettrai parce que j'aime bien. Et d'ailleurs, je l'ai déjà mis. En plus, il tient bien. Donc voilà, moi, c'est un coloris rose et c'est un rouge à lèvres de vente. Alors, question finance. Pour cette boîte à beauté, qui, quand vous la commandez, ma boîte à beauté doit être dans les 30, 13 ou 14 euros. Je vous mets le lien de ma boîte à beauté en bas, sous ma vidéo. Cette boîte-là, tous les produits, plus ma crème anti-âge, j'en ai donc 5. Le coût de ce que j'ai reçu, c'est 44,28 €. Allez, 45 euros, on va dire. Parce que je fais une petite soustraction par rapport à ça. Donc, 45 euros et vous payez votre boîte 13 euros. Bah voilà. Donc c'est tout est dit, hein. Tout est dit. Non, mais c'est vrai que ça fait 3 fois ou 4 fois que je reçois ma boîte à beauté. Et moi, je suis très contente, quoi. Je découvre. Et c'est ça. Ma boîte à beauté disait, je vous envoie des produits que vous découvrez. Eh bien, c'est vrai. Je découvre des produits, je les découvre soit en vente, soit en produits dont je peux me servir au moins pendant 3 semaines. Donc je peux vraiment tester le produit. Donc je trouve que de ce côté-là, c'est très bien. Ce que je leur demande, c'est de continuer cette politique-là, et je peux leur affirmer que ce sera un succès. Parce que les autres boîtes à beauté, elles déclinent à grande vitesse, et celle-ci, elle va monter si elle continue à faire ce qu'elle a promis. Et ça, jusqu'à moi, mes 3 boîtes, je trouve que c'est parfait. Et je crois me souvenir qu'ils ont un petit projet pour faire plus de produits dans les boîtes à beauté, mais là, je vous conseille d'aller sur leur site pour pouvoir lire effectivement tout ce qu'ils comptent faire, tout leur projet là. Voilà, en tout cas, ma boîte à beauté, bah, je la recommande parce que je la trouve vraiment bien. Eh bien, je vous souhaite une très très bonne journée.